Action. Bon dimanche et puis bon début de la semaine. C'est mon collègue Lelo posa quelque part na bureau politique qui a monté mal là. Ne connais mon ancien. Là bien que les généraux m'a vu m'encosi, est-ce que ba fandi ba dépêche ba vie singili ba ça la point de presse. Ba meka ko ça la état de lieu par rapport à ce que tu connais hein. Depuis des années donc ba multiplier massacre, injustice m'a mobilé belé mais les amis coordonnés organisé plutôt par le secrétaire général, le maître Philippe Kibangu, les amis dirigés. Donc, message que vous pas, vice-président, il y a la Kombo, il y a un déconfosté, il y a un déconfosté, il y a un déconfosté, Mesdames, Messieurs de la presse, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Monsieur Wampuna Chosani. Je suis le vice-président du Parti politique du Ndiamaya. Avant tout, nous vous demandons de prendre une minute de silence pour nos vaillants Makessa qui sont tombés pendant l'arrestation de l'honorable Mandatine et le carnage du Congo central. Nous prenons une minute de silence. Le parti politique Bounou Diamayala tient à informer l'opinion nationale et internationale que c'est depuis plus de 30 ans que son président national, Nemanda Ntsemi, et son parti luttent pour l'instauration d'une justice équitable dans notre pays en général et particulièrement pour le peuple Congo dont ils sont les porte-étendards. Cependant, aussi curieux que cela puisse paraître, l'État congolais a toujours fait usage de force pour réprimer toute manifestation pacifique organisée par les militants de Bounou Diamayala au Congo central et à Kinshasa. Ayant comme conséquence les tueries enregistrées en 2002, en 2005, en 2007, en 2008, en 2014, en 2017. Faisant état de milliers de morts, plusieurs centaines de blessés et de dégâts matériels importants perpétrés par les forces de l'ordre. L'histoire se répète et met en scène les mêmes événements qui se reproduisent au sein de Bounou Diamayala, victimes innocentes de la force du mal. Mesdames, Messieurs de la presse, notre présence devant vous tient à vous informer sur les événements malheureux qui ont secoué notre parti politique il y a de cela des semaines. Les 10 événements constituent une conséquence logique des revendications qui datent depuis plusieurs décennies du chef spirituel et politique, en l'occurrence Nemanda Ntsemi. Il s'agit de 1. La fin des injustices au Congo central sous quelque forme que ce soit, notamment la nomination sélective au poste de direction des entreprises et autres, au détriment des jeunes fils et filles du Congo central ayant des compétences requises. La nomination aussi des Bakongo au poste de commandement dans l'armée et dans la police au nombre considérable. Le paiement total et intégral des dommages et intérêts aux familles des victimes des tirés des adeptes de Bounou Diakongo, alloués par l'Assemblée nationale depuis 2008, ainsi que alloués à l'honorable Mandan Ntsemi, soit un total de 13 millions de dollars. 4. La libération immédiate et sans condition de tous les Makessa détenus à la prison de Ndolo, de Makala et à travers toutes les prisons du Congo central. Notons que toutes ces revendications ont eu une fin non recevable auprès des autorités publiques. Une ironie de sort,
ces autorités avaient jugé bon d'arrêter Nemoine Dantsemi en violation systématique de la procédure d'arrestation d'un honorable député. Ayant surmonté la vague des tempêtes durant environ 3 mois de détention à la prison de Makala et 2 ans de clandestinité entre ciel et terre, il est revenu au galop de ses revendications si haut énumérées, auxquelles se sont ajoutées d'autres, à savoir 1. La réhabilitation de sa résidence détruite et pillée de fonds en comble par les agents de l'ordre lors de son arrestation en 2018. 2. Ses émoluments qui ont été payés par l'Assemblée nationale à marge de la procuration spéciale qu'il avait fait, qu'il avait établie. Mutatis mutandis, aucune revendication n'a eu écho auprès des autorités publiques. Ces autorités, après avoir accepté le dialogue et les négociations, ont fini par abandonner cette voie et laisser leurs agents de l'ordre la liberté de passer à l'assaut meurtrier, au pillage systématique et au vol de grande échelle dans la résidence de Nemoine Dantsemi. Nous déplorons à ce jour, outre le sang de ce messager de Dieu qui a coulé le jour même de son arrestation, un bilan faisant état de 8 morts, 41 blessés, 47 détenus, 25 disparus, sans compter le carnage que nous avons enregistré à Songololo la nuit du 22 au 23 avril à 3h du matin. À la recherche des charges sérieuses pouvant peser sur Nemoine Dantsemi et ses adeptes, l'OPJ et l'OMP prétendent avoir trouvé 2 armes entre les mains de Nemoine Dantsemi et de 47 Makessa en détention à ce jour. Au demeurant, nous rappelons à l'opinion nationale internationale que le parti politique Bounou Diamayala n'est ni un parti sécessionniste, ni un groupe rebelle, ni une milice armée, et par conséquent, le fait ne fait jamais usage d'armes de guerre. De tout ce qui précède, la question des 2 armes si évoquées constitue une mise en scène participative des vieilles habitudes des anciens systèmes politiques dans notre pays. En conséquence, exigeons des autorités publiques 1. La libération sans condition de Nemoine Dantsemi ainsi que de tous les Makessa détenus dans les prisons de la République. La réhabilitation sans condition de la résidence de notre président national Nemoine Dantsemi. La réponse positive à toutes les revendications du parti présentées par notre président national Nemoine Dantsemi. 4. Nous exigeons une enquête objective sur le carnage de Songololo et sur l'utilisation disproportionnée des armes de guerre utilisées contre les civils non armés lors de l'arrestation de notre président national, qui constitue une violation flagrante des droits de l'homme et un crime contre l'humanité, et que les auteurs soient traduits en justice. BDM rassure particulièrement au chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshilombo Tshisekedi, son soutien et du peuple Congo en général, dans la mesure où ses revendications trouveront satisfaction. Et partant, le chef de l'État trouverait un partenaire de grande taille pour lequel il peut compter. C'est pourquoi, ayant trouvé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avec un esprit d'ouverture et d'un bon interlocuteur, nous souhaitons continuer les pourparlers avec lui pour la sortie de cette crise, afin de consolider la paix en République démocratique du Congo, car c'est par le dialogue que nous allons construire le pays, mais pas par les armes. Nous invitons les membres du parti politique Bounou Diamayala au calme, de rester vigilants et de dénoncer à temps réel tout mouvement suspect des éléments de force du mal, tel est le cas des militaires appréhendés dans le secteur de Mbanza Mwembe à Luozi, en date du 6 mai 2020, Ingeta Ibobo Ibobo.
parti politique Bunda Mayala azali ko yebisa bandeko ya mboka ke ya mikili nyonso ke c'est depuis 30 ans ke président Nabiso ni Mwanda Nzemi azali ko bunda pote justice ezwa esigana yango na mboka na biso pe mingi mingi na Congo Central. Mais yako kamwa ezali nini? L'état na biso alingaka kusale la force manduki pona ko pekisa ko tambola to bosenga ya ba membre ya parti ya Bunda Mayala. Nde yango ememi ba conséquence ebele depuis 2002, 2005, 2007, 2008, 2014, 2017 et même les biso ba prouve ko kufa ebele. Ba kozoka ebele. Biloko kutu ya kobunga to ko panzana kotanga te. Nyonso wana ba force de l'ordre bazo sala na mboka na biso. Ba mapinga to bengi ba. Metezali ko yebisa bino ke na sikawa bikamba bongo huti biko salem. Ba membre ya Bunda Mayala basali ba manifestation ba kotambula na Bokimia. Mes forces de l'ordre ba mapinga ba keika kati kolanda bango ko boma pe ko kanga lolenge na bango. En tout cas ba événement oyo esali pasi mingi. Ba événement oyo ya sika ezali suite na nini? Na réclamation bosenga oyo ne Mwanda Nzemi asalaka depuis kinokala. Ba bosenga wana ezalaka nini? Ezali kosilisa ba injustice na Congo Central. Parce que mona na ka ete misala ya Congo Central na ba société zalikuna bakonzi ezali bandeko na biso bauta olikolo esoko ke ina muzindo komona bangonde bazozwa misala mingi koleka bakolo mboka pourtant bazali bango pe batanga lokwa bandeko na biso me misala ezali te bosenga na ye asengaka ke ba ntango bapesaka ba grade to ba nomination ya commandement ya armée ba Congo pe bazala na niveau ya police pe armée soko to tangi lelo ba Congo bazali boni bazali mingi te na mutu ya armée pe na police ya mboka na biso bosenga mu ya misatu ezalaki ete na 2008 tango ba bomaki ba membre ya parti Parlement na biso et jija ki bon ko pesa ko récompenser lingala bolimbisa ko ko futa 10 millions de dollars na ba famille oyo ba kufela ki bandeko. Parlement na biso mutekata ki yango ezali ne Mwanda Nzemi pe wana bakata ki 3 millions de dollars pour ba pesa na ne Mwanda Nzemi vik shoko oye azwaka na likambo wana. Senga kibeli susu bako ka ko libere ba membre ya parti oyo bazali detenu tina moya lelo na ndolo na makala pe na ba prison nyonso ya mboka na biso. Mais malgré nyonso wana l'état na biso ata réponse moko ya kopesa nango ezate. Na place ya kopesa ye mbongo, na place ya kolibere ya konome ba Congo na tete ya ba entreprise, na place ya konome ba généraux pe ya ba Congo bazala lolenge moko na baswahili na bangala na baluba, non ba memeli bitumba ipane Mwanda Nzemi wana esalemi na 2017.
malgré pas si nous sommes à Kina Makala, qui n'a que vendre na clandestinité, Ayeko Bima, Ayeko Bakisa Bosenga Moussous, Bosenga Moussousou, Ayeko Bakisa Mawana, Ezalinini, un, Babon Slaenda Kunaye Babouka Kina 2017. De, Bamfoutambon, on a yé le lengue Sengeli, Oyo. Asale laki musala na parlement nde makambo yeko seng malgré cela bakonzi ya mboka balingika ka kopesa yete letina tokota kina masolo na bakonzi ya mboka kutumika kotadi sabango vérité ya likambo ndenge yango ezali bazwa oyo bakoye kopesa na nemwanda nzi. Nous allons déjà dans ma solution de l'engue à bien la vice-premier ministre, Michel Derrière. Mais nous allons surpris. Pourquoi moi, na Tongo, le 24 vendredi, parce que nous allons à So, pour nous, pour Koufaya Batu, pour Zokaya Batu, pour Kangi Batu, pour Soussoupe, pour Zaya Kobunga. Béli Soussou, nous allons rappeler Bino. Que non, parce que kata kata bande konabiso na songololo, parce que na losambo, parce que tu kaboye ba policier ba ye ba bandi kobeta bango manduki, tant que tu mengi kolanda situation wana, tu bengi ba konzi ba s'intervenir, ba sali le mois ba policier ba zongi, na ba tongo wana, ba tiamachete ba kei, kosili sabaoye ba zalaki nan mwa bomoy, kota la lolenge ya mboka na biso. Sikawa bakangi président bokangi yeponali tuyo kaka OPJ kuna ono tokuti munduki na ndako ya nemwanda nsemi mbande kuna ngai tulo basi nemwanda nsemi alo bakango ngonga nyonso ke ya yeza la kaminduki na bino yake nikosomba na occidente ya yeza la kanzoi eza kalibanga eza la kandika donc et ça les liwana ya kala oyo ezali que non bakay ko fabriquer moi likambo na bango po batya na mutu ya fulani po kino kaka bakanga ye nde zinge continue pe wana tozoe bisa président de la république afongola misu oyo ko sunga yete na esaleli ya bongo mais tout de même ndenge na uchi ko lobango ni mwanda nsemi alobaka ango butu moyi kiye minuti wana yangote. Donc, bundu ya mayale, ezali parti politique, o ezomi ma secession te, ezali groupe ya ba rebelle te, ezali lingomba moko ya batu ya minuki te. Donc, bundu ya mayale, sale la ka minuki, o to somba na occidente, sale la ka yangote. Donc il y a pour prétendre que non munduki moko bakuta ki poba zo raison ya ko kanga bande kona biso non wane zali kuta mina lelo tozali kosenga poto lingi mboka na biso tozali kosenga na bakonzi ya mboka na biso en tout cas batika mkonzi na biso ne mwanda nsemi naba membre na biso nyonso oyo bakangi babongisela biso ndako ya nemwanda nzemi donc mi ba condition te ono ba lobi boy esali soni na monde arme mobimba police mobimba kuno kendokanga mutu moko pesima bokangie bobuki boyibi bande kuna ngai soni kuna mboka. Non, pas bon, il s'en a pour un an. Il y a mis ça tout. Tout ça dit que c'est là que, par contre, il y a un boca, par pesa et y a non, n'a maïe n'yon so, m'kondi n'a biso, n'y mwanda n'semi, a senga ki, po, na, Congo central, pe, parti n'a biso, pe, y a ye moko. Mais toko souka wana te, kosenga na biso pe ezali ke bakonzi ya mboka
batinda bato bakende kosala enquête kuna na songololo banani wana basalaki musala wana tolingi peto yeba awa na Kinshasa parce que votre gouvernement na koyebi sabino eloko moko tango bakangi ba papa ye machete na mutu ba papa ye machete na donc batindi bino bokendo kanga mutu il paraît très mukanda bazalaki nango mais comme ya ko papa quelle était leur intention ya ko bomaye non soki bakonzi ya mboka batinda ki bato na lolenge wana te batali sabiso banani bato bazali sima ya makambo wana pote basamba Yasuka Tozali Koyebisa président de la République Zoko rassirei ke akozalaka na soutien na biso nyonso biso parti politique bunja mayala pe bakongo nyonso soki ete makambo nyonso tozali kosenga asaleli yango vi yango ndenge na lobaki tokutanaki na ministre Gilbert Kankonde azali vice-ministre vice-premier ministre ministre de l'intérieur tomonaki ye papa ya malam oyo tokokaki kosolola pe elikia ezali malgré ma esalemi elikia ezali keno akopesa ndingisa baporte kofungwama po tokontinue masolo kimia ezala na mboka po tokotonga mboka na munduki te mende tosengi na bamambre nyonso suka bazala kimia mais bazala vigilant bazala ekenge balanda mouvement nyonso parce que batu ya mabe bazo continue kosala tina moya lelo nde yango tokuti koyebisa bino pe na date ya lesi sima bamilitaire moko bakatisaki lombango kuna na ngambo kuna kuna kwende kosala nini tangu todenonse yango tuni bakonzi bango nyonso basutuki e tongo tongo bazongi ngambo lolenge wana tozomona neti ke mwa bato bazosala na mboka na biso bazali na nzela ya président de la république te nakanisi na mokota ya lingala liloba tozalaki nango yango wana na revenir na question nanga prendre langue française donc voilà. Est-ce que le gouverneur à Congo central a mis ça qui corps et âme et pas né mon ancien parce que récemment auto gozo ba problème dossier maman Mimi oti lelo justice na biso azo bimisa ba griffe ba beta des droits mais ba dossier mususu bazo ko survoler tozo comprendre ce qui bazo ko politiser nyonso ou comment né mon ancien mi après ta que mes forces grâce à né mon ancien mi c'est l'information biso tozo qui na source Atuma Tubwana azali confirmé jusqu'à la preuve du contraire gouverneur ya Congo central. Apport na ezalaki ni lor ya ba revendication ni monantsemi. Avant de koma na point haut komi lelo ke ba makesa ba kufi, ba soda ba kufi na nombre moko extrême et autres tozo ba opesa été ba policier ba kufi et na moya lelo ba makesa mususu il paraîtrait que ba devia ki bango na nzela ba komi na destination T. Apport ya gouverneur ya Congo central mais c'est Atuma Tubwana ezali ni na dossier o. Des caractères des troubles mentaux qui caractériseraient le leader du PDM. N'avez-vous pas réagi sur cette question précise? Mes chers camarades de la presse, oui, la réaction ne peut pas manquer, mais du moins, une chose à retenir, que là, la déontologie médicale n'a pas été respectée. Parce que ça ne peut pas se comprendre qu'un résultat logique soit-il qu'il soit lu à travers les réseaux sociaux. Parce que le résultat médical ne se partage qu'entre le médecin et son malade. Et ensuite, pas peut-être son titulaire en cas de nécessité. Donc, il est difficile aujourd'hui que je vous dise, parce qu'en tant que responsable, je n'ai jamais été saisi par l'autorité médicale ou judiciaire pour me présenter ces résultats. Je les lis comme vous sur les réseaux sociaux. Donc je ne peux pas certifier de tels résultats. Voilà, et je n'ai même pas de commentaires à faire autour de ces résultats.
jusqu'à ce jour, mon assimé continue à être détenu. Parce que bien que souffrant de ces troubles. Ce que je sais, que notre président national est une personne comme toute autre personne, comme moi, qui peut avoir d'autres problèmes que des problèmes mentaux. Donc, il est au CNPP. C'est le CNPP qui nous donnera les rapports, les moments venus. Il est au CNPP pour les soins. Quels soins? Et du moins, ça, je vous rassure que les jours où nous serons en possession de ces résultats, officiellement, vous tiendrez informé. Mais aujourd'hui, il est vraiment difficile qu'on vous dise quoi que ce soit. Oui, vous parlez un peu de votre solidarité pour parler entre vous et les thèmes. Mais c'est une négociation qui n'a rien abouti parce que vous avez commencé après on arrête mon étude. Vous continuez encore une négociation. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que cette fois-ci vous êtes rassuré que vous aurez un résultat positif pour la négociation? Oui, nous y croyons. Pour la simple raison, les jours même de la négociation, parce que nous devons dire la vérité ici, que le VPM avait invité une rencontre de courtoisie. Le président en a dit. Il se fait que par rapport à son problème de santé, pas ce qu'on a cité au CNPP, il avait dit au VPN que je suis sous traitement, dès que je serai stable, je vais vous voir. Et nous sommes allés le voir à sa place. C'est là où nous avons découvert qu'il était ouvert aux négociations. Et curieusement, parce que nous étions accompagnés du gouverneur du Congo central, nous accompagnait des notables Bakongo et des députés, moi et le secrétaire général du parti. Après nos entretiens, le VPM avait insisté voir Nemwanati malgré son état. Nous sommes revenus lui parler de cela, les conditions n'ayant pas été réunies, nous sommes repartis de revoir. Parce qu'aujourd'hui, nous devons faire savoir que tout ce que nous avons suivi à la presse, qu'il a reçu des invitations, des mandats de comparution, tout ça, ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Ce que nous connaissons, que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, l'avait invité pour partager avec nous. Et lors des derniers pourparlers de cette nuit-là, jeudi 23, on s'était convenu avec le ministre et le gouverneur du Congo central qui nous avait accompagnés que le matin, nous aurons la réponse de la hiérarchie et de ses collaborateurs. À notre grande surprise, c'était l'assaut à la résidence de notre président national. Est-ce qu'il y avait des manipulateurs là-dessus? Nous ne savons pas. Ça a aidé à nous le dire. Mais du moins, le vice-premier ministre était ouvert avec nous et nous osons croire que dans cette logique, parce que s'engager dans le processus de force ne va pas nous aider à reconstruire. C'est par les dialogues et nous osons croire qu'il sera d'accord avec nous. Vice-président, s'il vous plaît. Certaines personnes ont du mal à comprendre votre démarche. D'aucuns vous tâchent d'être des xénophobes en réclamant de mouvement, tout ça. On a même vu dans les médias, on a dit que les Congo ne faisaient pas des autres tribus. Ok, merci, c'est compris. Mon frère, évitons de la manipulation dans ce pays. Mais nous devons apporter la vérité. Allez-vous comprendre que dans une province productive comme le Congo central, c'est vrai, il y a des gens qui vont me dire que les statistiques n'ont pas été faites. Mais je sais que vous êtes les agents de la presse, vous êtes les funaires d'information. Quel est le pourcentage des autorités, ou bien des directeurs, ou bien des conseils d'administration au Congo central où il y a les Bakongo? Par rapport à d'autres provinces, nous le savons qu'au Katanga, c'est clair, on ne peut pas aller sans prévaloir. Parce que
depuis qu'on a chassé les Baloubas jusqu'à ce jour, ce sont les Katangais qui sont à la tête de la Jikamine là-bas. Nous allons au Kassai. Mais qui sont à la tête de la Miba? Mais ce ne sont pas des Bakom ni des Katangais. Mais quand nous réclamons que nous voulons bien que les autres soient avec nous et que les Bakom aussi soient associés, ça doit faire un problème. Nous sommes dans une société. Les Bakom ont besoin de travail. Les Baluba ont besoin du travail. Les Baswahili aussi ont besoin du travail. Les Bangala ont besoin du travail. Donc, la discrimination ne va pas nous amener à consolider la paix dans ce pays. La xénophobie, non. Ça a beaucoup circulé. Mais quel est ce nom ordinaire qu'on a chassé là-bas? On a prétendu un certain Tshisekedi. Et on va prendre le nom de Tshisekedi parce que le nom du président de la République. Donc, aujourd'hui, des problèmes individuels ne peuvent plus manquer. Parce que si c'était des problèmes généraux, que les membres du parti s'étaient activés pour aller chasser, nous devrions avoir plusieurs familles. En tout cas, à mon avis, ce sont des faux fonds. Ok, est-ce qu'on peut avoir une idée par rapport à l'apport du ministre de l'Intérieur par rapport à l'évacuation des Makessa ou des membres de l'Union Congo Congo Central? Bon, effectivement, son apport, c'est vrai qu'après l'arrestation du président national, on avait arrêté tout le monde qui était là-bas dans sa parcelle. On les avait amenés à l'IPEKI. Et à partir de là, ils ont fait une sélection de leur manière. Il y a un groupe qui a été évacué pour le Congo central. Et partant, les bis qui les ont amenés de Kinshasa jusqu'à Kimpese étaient loués par le vice-ministre de l'Intérieur. C'était ça sa participation. Et aussi, à chacun, ils ont remis 3000 francs. Vous vous rendrez encore compte que le président national n'est moins d'un semi-adhéré. Parce que ce qui nous a amené à cette situation, selon les prétextes qu'on nous a brandis, que nous, si on remettait de l'argent à Nemanda Nsemi, il ne va pas évacuer les membres. Mais pourtant, il avait demandé jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce soir-là du jeudi, il a demandé à ce qu'on lui remette un peu d'argent pour qu'il remette à ses membres de retourner chez eux, même s'il y a des bis, mais qu'ils aient quand même un petit rien. Allant plus loin que même un petit pagne, si vous pouvez les acheter, ça nous aiderait. Pourquoi j'évoque ce point? C'est parce que quand ils sont arrivés à Kimpese, certains habitent Luozi, Tchela, Mwanda, Boma et consorts. Avec 3000 francs que le gouvernement les avait donnés, comment ils allaient arriver là? Pourtant, si on avait donné à Nemwanda ces 1000 épées d'argent, il avait demandé l'argent qui, son argent à lui, pas l'argent de l'État. Pas un prêt, non. C'est partant que le gouverneur du Congo central, ça nous en sommes reconnaissants parce qu'il nous a accompagnés là où nous sommes allés pour les négociations avec le vice-premier ministre. Mais aussi, il a mis la main dans la poche pour faciliter à nos membres d'atteindre les villages d'origine. Voilà, tout ce sabandero au bazo Hollande biso à travers le monde, basous bazana difficulté à redéchiffrer tout à comprendre langue française. Donc voilà. Est-ce que gouverneur à Congo central a mis pesa qui corps et âme et pas né mon ancien parce que récemment auto gozo ba problème dossier maman Mimi oti lelo justice na biso azo bimisa ba griffe ba beta des droits mais ba dossier mususu bazo ko survoler tozo comprendre ce qui bazo ko politiser nyonso ou comment. Né mon ancien mi après ta que mes forces grâce à né mon ancien mi. C'est l'information que nous avons qui est la source. Et à tout matoubouana, Azali confirmé jusqu'à la preuve du contraire, gouverneur et à Congo central. À port, il y a des gens qui ont l'or et la revendication de mon ancienne. Avant de comment, il y a un point où il y a les lots. Qui est ma caisse à Bakoufi, ma soldat à Bakoufi, un nombre extrême, et tous les gens qui ont été policiers à Bakoufi, et il y a les lots, ma caisse à Moussous, il paraîtrait que les déviants qui sont là, ils ont été à destination T.
apport ya gouverneur Congo central mais c'est à tout Matubwana ezalini na do Matubwana effectivement azalaki soutenir peu azali soutenir par parti na biso na président national na biso na tangu makambo ye miringa miringa akati saki luozi pona okendoko landa makambo kuna tangu akomi akotanaki akotaki en contact na président national nde bayokanaki kino to kalmeje ye esengeli ayaki sasa ayaki na ye nde tosalaki demarche na ministère intérieur malheureusement biso na ye tozaki kozela réponse ya vice premier ministre pote to continue masolo na tongo malheureusement tiba yiko kanga président national na kozonga na ye na utaki kolobango na mlokota ya français que tangu ba membre ba longwe kishasa ba komi na nzela basuki na basuka kina bango na nzela ba komi saki bangote gouverneur atiaki loboko na poche pote afute la bango transport bazonga bambota bamboka bisika bauta bon effectivement asalaki maya salaki ni tozali kosenga na ye ako ba kosala pona kimia ezala na province pe ako continuer ko soutenir ba blessé o bazali na biso. Voilà, question c'est en rapport na remise à babier ya président national à Bunida Mayala. Est-ce que vous êtes satisfait ndenge bomona quand même ba piller mais quelques militaires ba ko zung sa bino kona. Ndeko, merci beaucoup. Question wana est très fondamental. Biloko boni bazoni saki. Boni ba yibaki, boni bazoni saki. Na kanisi ba ina bino tozalaki kuna. Non, wana za ki forme. Du moins, ndambo e monanaki. Yango to bombi sa ki pena maboko na bango. Parce que sengeli expertise salima. Ya biloko nyonso. Neti manango to koyeba nini one mwanda nzemi azalaki nango na ndaku na ye. Nini bayibi, nini etikalaki, sika nini babuki o leta foazwa charge na ye. Moi c'est vrai ndambo ba yaki nango babe ko zo moi télévision mon kutu na yebi côté kutu na ba kiti mususu e komi ya ko débrouiller l'essentiel eloko ezala wana non to lingo kota mingi mingi na makambo wana te parce que to comprendre ki nini e bomba maki na likambo wana mais ndambo e yaki en tout honnêteté parce que ngai mutu na yambaki bango ngai mutu na mwana na ya liboso tozwaki tozoni saki na maboko na bango bati tuche sika moko ensemble en entendant expertise et salem mais est-ce que résultat auto moni na ba réseaux sociaux ya ni mon thème qui a dans na problème na mutu eza solo après ba tano la salem bon en fait na mutu ko lobango na kota na kota français que les aliments wa mingi que résultat ya mutu tukuta mona réseaux sociaux baminganga nyonso o bazali kolanda ngai bayebi yango te mama soki oke kosala examen na yo résultat e kozala ya yo na maladi na do ya yo na munganga na yo pa soki yo bakoki kopesa yo yango te konti teni ya situation na yo bakopesa titere na yo bakoki kobimisa ngo kaka soki yo olingi mama tose comprendre. Ce qui yo lingi, ce qui lingi te résister na yo, est kobimata. Mais, wana effectivement to kamo yango, par rapport na mutuna na yo. En tout cas, résister wana, to kouti yango na réseaux sociaux, to lenge moko na yo. Nga na zali moko ya bakambi ya parti, mais na zui nanu confirmation, et pas ya baye don, bakonzi ya minganga, to bakondia justice bape sangai yango te dona koki awa kuya ko certifier loko moko to commander loko oyo ngai na zui na lole na nzela o esengelite parce que réseaux sociaux boyebi ke kuna ba montage zali makambo za ebele donc na na koki ko kwendo sala jugement ya document ya bongo te voilà na to landi discours mo bien président on le met que
ce qui va répondre à président de la République a pris mon coin marquage. Voilà. Président de la République attend la coalition, la FCC. Le président Tshisekedi azate ya FCCT azalina huyu toyokaka ndenge bino bo bino batapesi batoye na bisi ke bazana libala bisi toye bina bisi te libala ngolo lenge linye zake toye bika kake president Kabila ateka ki ebonga na president Tshisekedi ne yango toye non yoka mama. Pour la nuit, la logique est que la naïe est longue, soki. De mon côté, pour la nuit, la naïe, après la nuit, la nuit, la nuit. Le président national n'a pas de mandat. Azanan. N'a pas dit très naïe, il y a spiritualité. Azali. Mkonzi ya babantu. Le président Tshisekedi ya babantu. Na spiritualité na. Mais comment ça? Est-ce que le président Tshisekedi azana mkonzi na ye, ce qui assemble la catholique, pour na yebisi assemble la catholique. Ce qui a créé l'église, yende akoma ka mkonzi kuti. Kasi kardinal ambongo ndi mkonzi. Nakata ni ngoma. Quand tu es dans ma politique, tu peux dire que bon, gestion est dans ma boko ya yemo. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur camarade. Voilà, la consignation sur l'indi, intégralité, il y a ma seconde énergie. Donc, si vous avez un rapport à observer, pour poser la question, et puis par répondre, vous allez par la maman. Tu comprends, ma mère, que mon thème en baisant un mot cannabis. Ce qui va politiser, comme le basoka, mais la dose d'Alélo. Dans un pays occupé, on ne fait pas la politique. Nous avons affaire à des Rwandais, des occupants rwandais dans notre pays. Robert Rwassin, Rwandais. Kanambe, c'est un Rwandais. Nyangobo, c'est un Rwandais. Jeannette Kanambe, c'est une Rwandaise. Et Obobenga Razoé, comme on est Selemani, Kanambe, Rwandais. Mais tout le monde a conscience de l'économie. Kamere, Rwandais. Katumbi, Juif, Zambé, Italien. Donc, bien sûr, nous avons la politique dans un pays occupé. Nous avons la résultat des amis. Dans l'Est, guerre et banda, ici, la ratée. Tout ça, la guerre éternelle. Dans le cas, nous avons Tshiseke. Bazana guerre moko depuis ma mwaka mona sembe banda Tshisekedi dit incapable ko lobaye mo même na message na ye message de soutien est à la rater to ça là politique na mboka na biso to comprendre vos problèmes mboka na biso ko ma to lobi boye biso ba dosta to lobi que résistance to bunda Congo ko sera libéré de guerre ou de force yo oyo ozo continuer toujours na barrel donc to libérer mboka bo bongama bo kin d'exil te to zo bino boye pour ça la prison. Merci beaucoup pour na contribution à Bino, merci à Ndekone Soubazalev, merci à Résistant Nyonso, qui est aussi la plus imité pour la libération. Il y a beaucoup de combat démocratique. Merci à Ndekone Soubazalev, pour la charie, pour la Katia Combat. Merci à soutenir à Bino, partout ce que vous allez dans vos sanités, partenaire officiel à la dose de la télévision, Maman Catherine Pingouane. Ingeta.